Hey, salut tout le monde. Bon, bah écoutez, pour le Dreamers Fan Artwork de décembre, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un lieu magique. D'ailleurs, pour cette raison, on est à Roissy-Charles de Gaulle. Donc vous pouvez voir, voilà, hein, embarquement. C'est pour bientôt. Vous venez avec moi, on va dans l'avion. C'est pour vous que je fais ça. Voilà, alors on est descendu du premier avion. Là, on est à Zurich. Là, on file parce qu'on n'a que 30 minutes pour faire la correspondance. On va dans un deuxième avion. Je vous montre tout à l'heure la destination. Alors, je viens de passer la douane. Donc maintenant, je vais bientôt aller embarquer dans mon second avion. Je vous montre la destination et c'est la destination finale. Voilà, j'espère que vous avez un bon focus sur la destination finale. Vous allez voir mon artwork tout à l'heure. Il va se dérouler dans un cadre magnifique, typique, magique. A tout à l'heure. Voilà, ça c'est ma caméraman qui est également ma femme, qui fait des cute face. Salut. Bon, le vol se termine. Je viens d'entendre que là on va bientôt arriver à Hong Kong et je vous laisse pour le moment apprécier les superbes nuages que l'on peut voir ici. Voilà, c'est quand même pas beau tout ça. Au-dessus de Hong Kong. C'est Hong Kong. Alors bon, je fais très vite. On n'a pas le droit normalement. Ça y est, on est arrivé à Hong Kong. Bon, je vous cache pas, je suis bien content de plus être dans l'avion. C'est pas une expérience que j'aime forcément, mais bon, j'ai fait ça, voilà, c'est à la fois pour moi-même, ma petite femme, ma famille, et puis bah pour vous surtout. Et vous allez voir ça tout à l'heure, ça va être extraordinaire. Allez, on y va. Et donc, après un tel voyage, le mieux, c'est de se restaurer. Donc moi, je vous dis, bon appétit. Profonde et c'est là-bas que vous attend votre petite surprise. Allez, on y va cette fois. Voilà,
dormi trop fort. Salut, vous êtes là. Bon, vous êtes enfin arrivé. Après tout ce long voyage, toutes ces routes, tous ces chemins, nous voilà arrivés ici. Et donc, ce paysage particulier, vraiment particulier, parce que si vous le regardez bien, là, comme ça, il est également représenté sur un billet de 20 yuan. C'est exactement ce paysage que l'on peut voir ici. Donc, c'était également donc, l'occasion de faire quelque chose de particulier. Me dire venir ici, je viens ici, je fais mon petit artwork spécial pour vous, avec plein de magie, plein de rêves, plein d'enfance. Et je vous présente le dessin une fois terminé dans un autre lieu hors magique, pareil, mais on continue le petit périple. Je viens de terminer le croquis de base. Je me suis dit c'est l'occasion de me stopper un peu pour vous faire encore une fois profiter pleinement de tout ça, hein, tout ce paysage. Parce qu'en même temps, ok, vous êtes là pour le fan artwork, mais en même temps, je pense que vous kiffez quand même bien voir tous ces paysages que je vous montre. Donc bon, bah, j'en profite, voilà. Sur ce, je m'y remets. A plus, ciao.
Hey, salut tout le monde. Non, bon bah voilà, nous voilà arrivés à Kunming. C'est à l'ouest de la Chine. Derrière nous, c'est le Tibet. Gros, j'ai fait un pèlerinage vers l'ouest, comme Sun Wukong, le roi des singes, dans Shioji, le pèlerinage vers l'ouest, Journey to the West. C'est pour cette raison que mon artwork, spécialement pour vous après ce voyage, c'est ceci, Sun Wukong, voilà. En espérant que la vidéo du dessin vous aura plu, que le voyage surtout vous aura plu, parce que quand même c'était un voyage assez... c'était un vrai pèlerinage, un véritable voyage fantastique, découverte à la fois spirituelle, humaine et touristique, je dirais. Je vais être honnête, tout le monde me regarde parce que je suis une attraction là ici, surtout là à l'instant même, habillé tel que je suis. Et c'est pas grave, c'est pour vous, ça me fait plaisir et j'espère que vous, ça vous aura fait plaisir. Ce artwork, je l'offre à la grand-mère de ma femme, qui est chinoise, qui est de cette région et qui aime bien, donc qui aime bien Sun Wukong, qui aime bien mon dessin, donc voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et puis voilà, donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.